Alléluia, amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia, amen. Nous allons passer un moment de prière. Éphésiens, le chapitre 5, le verset 20. La Bible dit: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Cette semaine qui vient de se passer, Dieu nous a fait énormément du bien. Que ce soit dans nos activités de l'église, nous avons eu des rencontres tous les jours. Et Dieu nous a fait énormément du bien. Que ce soit même dans nos activités. Voilà pourquoi nous voulons les reconnaître en lui disant merci. En fait, notre prière, nous la dirons comme ceci. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce pour le bon déroulement de toutes les activités de l'Église. L'évangélisation, les prières et toute autre activité que l'on a eue. Non seulement ici dans notre église, mais également dans nos différents centres de disciples en mission. Est-ce qu'ensemble nous pouvons élever nos voix et dire merci à Dieu? Nous voulons te dire toute notre reconnaissance ce matin. Te dire merci, ô notre Dieu. Toi qui as été avec nous, Seigneur, toute la semaine passée. Tu as été avec nous, éternel Dieu de gloire, à nos rencontres de matin. Tu as été avec nous, éternel Dieu des armées, lors des différents cultes que nous avons eus. Toutes les activités ont été marquées, Seigneur, par ta présence. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce qu'a été, éternel Dieu des armées, nos études bibliques. Merci pour ce qu'a été la rencontre des femmes, Seigneur de mardi. Nous te disons merci pour ce qu'a été, éternel Dieu Tout-Puissant, les activités des jeunes. Nous te disons merci, éternel, pour ce qu'a été, oh mon Dieu, nos moments de prière dans ta présence. Merci pour tous les exaucements que tu as fait. Merci pour toutes les interventions que nous avons eues. Nous te disons merci pour tout, oh Père très saint. Tu as été avec nous toute la semaine, du lundi au dimanche. Seigneur, nous te disons merci parce que rien de mal ne nous est arrivé. Tu nous as gardés, tu nous as préservés et tu nous as donné, oh mon Dieu, à aller de l'avant. Nous te disons merci pour tout, toute notre reconnaissance éternelle, même pour tout ce que tu as entrepris dans les différents centres des disciples en mission.
Seigneur, des âmes ont été gagnées, des vies ont été sauvées par ta grâce, éternel Dieu Tout-Puissant. Des hommes et des femmes ont été formés et nous te disons merci pour cela. Laisse, oh mon Dieu, que tout l'honneur, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Merci, oh mon Dieu, pour tout. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous poursuivons notre moment d'intercession. Et maintenant, nous allons prier. Et je voudrais que chacun de nous se prépare. Parce que nous voulons combattre. Voilà pourquoi, avec tout le respect que je vous dois, ceux qui sont assis, si vous pouvez vous tenir debout, et nous allons faire cet exercice ensemble. Pour cela, nous allons lire Ésaïe 8. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 8. Nous allons lire les 9e et 10e versets. Il est écrit ceci: poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons combattre conformément à cette parole. Mais nous allons combattre contre qui? Nous allons combattre contre toute opposition satanique. La croissance continue de notre église, les centres évangéliques Parole de Vérité, nous allons nous opposer aux forces du mal contre tout ce qui menace nos centres de disciples en mission. Voilà pourquoi nous allons prier comme suit. Nous allons dire à Dieu: Père, au nom de Jésus, décrète la destruction de toute opposition satanique à la croissance continue de cette église. De tous les centres de disciples à mission, résultant dans la multiplication des disciples du Christ. Cette année et dans l'avenir, prions le Seigneur et détruisons toute opposition satanique à la croissance de notre église, à la croissance des centres de disciples à mission, et nous verrons la multiplication des disciples de Christ cette année et dans les années à venir. Ô Père, au nom de Jésus-Christ, nous venons détruire toute opposition satanique à la croissance continue de notre église, à la croissance continue dans le centre des disciples à mission. Père, nous te le demandons, Seigneur. Nous te le demandons, Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous ceux qui militent pour que cette église n'aille pas de l'avant, tous ceux qui fomentent les projets, les complots pour que les centres des disciples ne se multiplient, nous les détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous demandons à notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, de décréter la destruction
totale de toute opposition satanique liée à la croissance de cette église ainsi que des centres de disciples en mission. Nous verrons cette église se multiplier. Nous verrons au nom de Jésus-Christ les centres de disciples se multiplier cette année et dans les années à venir. Nous les verrons et nous les confirmons au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute opposition satanique, toute opposition satanique, toute opposition satanique, au nom de Jésus-Christ, nous décrétons sa destruction au nom puissant de Jésus-Christ et nous déclarons cette année, nous verrons la multiplication des disciples au centre évangélique Parole de Vérité. Nous verrons la multiplication des disciples dans les centres des disciples en mission. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous les proclamons. C'est au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ que nous les proclamons. Oh, nous verrons ces choses s'accomplir. Nous allons les multiplier. Nos centres vont se multiplier par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous passons à notre troisième point de prière. Et pour ce troisième point de prière, nous allons prendre une fois encore de plus notre Bible. Bien-aimés, il est bien de prier conformément à la parole de Dieu. Et nous allons considérer Matthieu 18. Matthieu 18, verset 20. C'est un passage que tout bon chrétien doit connaître. Il est écrit ceci. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien aimé, nous nous sommes plus de deux. Nous nous sommes plus de trois. La présence du Seigneur est en ces lieux. Ce que nous allons demander ce matin, nous allons demander à Dieu que sa présence remplisse nos cœurs. Que sa présence remplisse ces cultes. Ainsi que tous les cultes qui se déroule en ce moment dans nos centres de disciples en mission, à tel point que chacun de nous ressente la présence de Dieu, que chacun de nous reçoive une visitation particulière du Seigneur, afin que l'église du Seigneur puisse en bénéficier. Et voici comment nous allons prier. Nous allons dire: Seigneur Jésus, que ta présence remplisse ces cultes. Que ta présence remplisse tous les cultes qui se déroulent à cet instant dans les centres des disciples en mission.
sois élevé ce matin. Sois élevé l'auteur de salut éternel. Sois magnifié ce matin, éternel nom de roi. Sois bénissant parce que tu es au-dessus. Alléluia, comme on a eu ce qui la massa, comme on a eu ce qui la longue pour alléluia, élève le trône de Dieu encore ce matin. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois élevé, Jésus. Alléluia, sois élevé ce matin, l'auteur d'un salut éternel, le Dieu qui ne change pas, l'auteur d'un salut éternel, le Dieu qui m'appelle par mon nom, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aimerais que tu prennes ces temps au sérieux dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh. Alléluia. 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 Jésus. Jésus. Adoration à toi. Oh, mon Dieu. Alléluia. Oh,
Seigneur, bénis ce moment, sois avec nous, parle-nous et agis en notre faveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Reprenons nos places. Et je vous prie de saluer votre voisin. De gauche, et dites-lui, la paix de Dieu soit avec vous. Amen. 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 Et dites-lui aussi, le pasteur Eric te salue. Amen. Eric a pécié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Matoun les dikolo. Signes de la faveur de Dieu sur Jacob et ses secrets. Bilembo yangolo nzambe likolo na Yakobo pe basekele na yango. Les signes de la faveur, ce sont les choses visibles. Bilembo yangolu ezali makambo ezali komonisama. Des choses visibles qui témoignent que Dieu a préféré quelqu'un par rapport aux autres. Ezali makambo ezomonisama ezali kotatola ke nzambe asepeli na moto songolo ke na moto pakala. Et je prie que ces choses soit vu dans ta vie. Des Amen. Choses qui témoignent sans discussion que Dieu t'a préféré par rapport aux autres. Des choses qui sans discussion prouvent que Dieu est avec toi. Amen. 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 Dans Genèse chapitre 32, verset 10. Jacob dit à Dieu ceci. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ces Jourdains avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Vous voyez, Jacob lui-même a vu des choses dans sa vie qui ont témoigné, qui lui ont donné la preuve ou l'épreuve que Dieu l'avait favorisé. Et il ne parle même pas d'une grâce, mais il parle de plusieurs grâces. En regardant sa propre vie, il dit, vraiment, Dieu m'a fait plusieurs grâces. Dit, je suis passé ici avec mon bâton et voici, je forme maintenant deux camps. Ma prière pour toi est qu'il y ait beaucoup de choses dans ta vie que toi-même tu vas commencer à compter et tu vas dire ça c'est la grâce de Dieu, ça c'est la faveur de Dieu, ça c'est la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Et ma prière pour toi est qu'il y ait quelque chose pour lequel toi-même tu dises à partir de ta maison, tu dis ça c'est la faveur de Dieu. Dans ton travail, tu dis ça, c'est la faveur de Dieu. Partout où tu te trouves, à partir de cette année, que ce soit ton histoire. Amen. Amen. Vous savez, les amis, quand une bénédiction est prononcée, ou quand une prophétie est donnée, elle s'accomplit comme Marie l'a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle s'accomplit quand on croit à ça. Vous pouvez penser que c'est dans mes habitudes de dire. Mais ce n'est pas une habitude. Même si c'est une habitude. Mais quelqu'un va prendre ça, il va dire, c'est comme ça. Je vous donne un exemple.
Moi, un jour, j'étais en train de suivre un message. Et ce message, je le suivais, c'était un message audio. Et j'ai entendu un homme de Dieu qui a donné un témoignage qu'il avait fait plus de 20 ans, il n'avait même jamais souffert de maux de tête. Donc plus de 10 ans comme ça, donc même les maux de tête, il n'a jamais souffert. Et il a déclaré et il a prononcé une parole. Il dit, je souffre pas, je ne souffre pas. Et il dit, je libère ça, à partir d'aujourd'hui, tu ne verras plus ça. Et j'ai saisi ça. J'ai donné amen à cette parole. Ça fait maintenant des années et des années. Et ça, chaque année, je viens, je vous dis toujours que cette année, Dieu m'a fait grâce. Je n'ai même pas pris un comprimé, même une injection. Chaque année, je l'ai. Mais ça a commencé comment? Un jour, un homme de Dieu a libéré une parole à laquelle j'ai saisi. Si je prends le temps de vous expliquer ça, c'est parce que je vois beaucoup de gens, non seulement n'est même pas saisi, ou quand ils saisissent, ils ne comprennent pas la portée. Un jour, je suis parti voir un de mes pères spirituels. Je suis allé, je l'ai vu et je l'ai honoré comme il fallait. J'étais avec ma femme. Oh, quand il m'a vu, il m'a dit, oh mets-toi à genoux. Je me suis mis à genoux. Il a mis sa main sur moi. Il a dit quelque chose. Il a dit, mais je ne vous dirai pas. Je ne peux même pas vous dire. Ok, je vous dis. Je ne vous dirai pas. Le bishop Dak, un jour, il y a même des photos de ça. J'étais assis à genoux comme ça. Il m'a mis la main, il dit, j'ai dit waouh, j'ai dit amen. Ma femme était dans l'émotion, elle avait dit seulement amen mais elle n'avait pas entendu. Moi si nanga zali na moso kobeka la amen mais sosola kite makambo ango. Après je lui ai dit, est-ce que tu as entendu ce qu'on nous a dit? Nga na tunie oyuka ki makambo mais si je n'ai pas entendu mais j'ai seulement reçu. Alobi na yo kite mais lui ka amen. Et je veux vous dire, c'est à partir de ce moment-là que ma vie et mon ministère a changé. Maintenant, je ne vais plus forcer. Je ne vais plus forcer. Je vais parler. Je n'ai pas besoin de répéter. Et je dis au nom de Jésus que à partir de cette année, tu auras beaucoup de choses qui vont te démontrer à toi-même la grâce de Dieu. Toi-même, tu vas commencer à compter beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Amen. Je reçois. Amen. Hein? Je reçois. Vous savez, il y a quelques temps ici, hein, quelques temps ici seulement. Je parle toujours de ceux qui ont été proches de moi, vous qui avez été proches de moi pendant longtemps, vous êtes là. Vous savez, il y a quelques temps ici, quelqu'un pouvait me regarder, il a pitié de moi. Il dit, ah, pasteur, vraiment, il souffre. Mais hier, j'étais en train de parler à quelqu'un. Maintenant, tout le monde pense que j'ai plus d'argent que tout le monde. Non, sincèrement, quand tu te regardes avec ton voisin et moi, qu'est-ce que tu dis? Vous voyez, mais il y a quelques temps, écoutez, vous êtes venus maintenant. Il faut demander aux gens. Il est passé des moments où, dans l'histoire de cette église, je venais comme ça, je viens comme ça les samedis, je dors à l'église, je n'ai pas les pantalons pour demain. Et salama na ba tango musu neglesa on a ye awa mokola samedi na lali na sa. Et je venais à pied dans cette église. Je venais à pied. Na ba na koya makolo. Je venais à pied. Kolo makuna ipen makolo. Je vais plus forcer maintenant quand je vais dire des prophéties. Si tu ne veux pas recevoir, c'est ton affaire. Amen. Mais je dis à quelqu'un. Na yebisi motomoko.
je ne parle pas des autres, je parle de toi-même. Toi-même, tu auras des signes. Toi-même, tu vas commencer à compter. Pas un seul signe. Et le moment côté, mais des signes. Et tu vas dire, ça c'est Dieu. Ça dans ma vie c'est Dieu. Ça dans ma vie c'est Dieu. Tu ne vas pas commencer à dire, Dieu me fait grâce, tu n'as pas de preuves. Toi-même, tu vas voir des preuves. Tu vas voir des preuves. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Je reçois. Reçois cela au nom de Jésus. Je reçois. Amen. Et il y a quelqu'un, c'est probablement ton voisin, parce que la manière dont toi tu réponds, je comprends pas. C'est probablement ton voisin, son histoire. Vous savez, cette année, et j'ai été prudent, je te dis, ce n'est pas cette année. Je dis seulement à partir de cette année. Le cycle que je demande à Dieu de déclencher, c'est un cycle sans fin. Amen. Amen. Je reçois. Amen. Amen. Hein? Écoute, Yoka. Dans la vie, il ne faut pas d'abord attendre que les autres disent tu es avec Dieu. Commence d'abord par toi-même avoir les convictions que tu es avec Dieu. Amen. Amen. Merci, papa. Ouais. Merci. Ouais. Ouais. Amen. Alléluia. Amen. Hier, j'étais au milieu de certains pasteurs. Lobi nazala ki katika sabasali ya Nzambe. J'étais au milieu de beaucoup de pasteurs et les pasteurs ont commencé à donner des témoignages. Baba tel pate baba ne ko pesa matatoli na bango. Ils donnaient des témoignages comment dire. Oh, mettez-vous non. Mettez-vous, il y a pas de problème. Ces témoins, mettez-vous, il n'y a pas de problème. Ces pasteurs-là étaient en train de donner des témoignages de comment Dieu les a visités et qu'ils ont commencé à avoir des terrains dans les périphéries de Kinshasa. Bango va dire que ça m'a tâté l'une des Nzambe, aïeba qui consacre la bango va comme il consomme baba terrain à on a. Non, on lui a donné ici. Un autre, on lui a donné ici. Bazo kabel moko awa, moko awa. Moi, je fermais seulement ma bouche. Je disais seulement, oh, gloire à Dieu. Mais je ne disais pas. J'ai une grossesse comme la grossesse de Jean-Baptiste et je ne parle pas. Hein? On dit qu'Elisabeth a caché la grossesse pendant 5 mois jusqu'à ce que les gens eux-mêmes ont vu. Elisabeth a bombé qui m'occupe na ye ou ta tout le monde était en train de dire oh non Dieu, oh Dieu m'a béni, j'ai eu un terrain là-bas. Ici dans le centre-ville, je n'arrive pas à voir. Ah ouais, nazute kuna nazwa ki mo terrain. Je faisais comme chez nous, j'avale. Na baneka ko mela, non mela moka. J'avale. Et puis un Dieu dit ah, mais que Dieu nous accorde aussi la grâce qu'il a accordée à cet homme. Pourquoi lui il a acheté ici et il ne pensait que à ici. Il dit, lui, il a acheté quand même dans les centres-villes, il ne pensait qu'à ici. J'ai dit, si vous saviez. Ah. J'ai avalé. Là, moi-même, j'ai commencé à dire comme Jacob, Seigneur, je suis trop petit. Pour toutes les grâces que tu m'as faites. Juste l'année passée. Nous avons été capables d'acheter 10 parcelles pour Dieu. 10. Amen. Amen. Et cette année, ça a commencé. Est-ce que je vous ai dit? Même si vous le côté. J'avale. Cette année, ça a commencé. Vous savez, on a déjà combien? Je vous dis pas. On est au mois de janvier. On a déjà combien? Tosali na sansa janvier. Tout ça n'ango boni na kolobate. Mais il faut que toi-même tu aies. Il faut. Et c'est ta saison est arrivée. Et le konayo est commis. Amen. Ta saison est. Et le konayo est commis.
ta saison est et le konayo, où toi-même tu vas commencer à compter. Oh, yo, mo, ko, ça, c'est la grâce de Dieu. Ça encore, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je voudrais te refuser quelque chose, toi. Je te refuse de t'arrêter à une seule grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit ça? Reçois la faveur et la grâce d'en avoir en abondance. Je reçois. Amen. 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 Vous savez, quand Jacob dit je suis trop petit pour toutes les grâces, il n'a pas dit une grâce. Il a mis beaucoup de choses. Beaucoup. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui beaucoup de grâces. Beaucoup. Amen. 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 Assieds-toi, assieds-toi. Tu le vivras. Comme tu as dit Amen, tu vas commencer à les vivre. Amen. Et ça ne va pas tarder. Hein? Ça ne va pas tarder. Amen. Amen. Et quand ça va commencer, ça ne va pas s'arrêter. Amen. Cette semaine, j'étais bousculé par un pasteur. J'ai suivi deux témoignages de deux pasteurs. J'ai dit mon tour vient. Il y a un qui a donné son témoignage. Il a donné le témoignage de la première fois qu'il avait donné l'offrande de 100 000 dollars. 100 000 dollars. Offrande, pas dîme. 100 000 dollars. Je dis attendez. Vous allez voir. Là. Et puis un autre, Moussousou, un autre dit à l'obi qu'il a donné une offrande de 1 million de dollars. Un pasteur qui a donné une offrande de 1 million de dollars. Il y a 1 million de dollars. À moins que Dieu soit mort. Ou bien que maintenant il a mis sa main, il a croisé, il a dit j'arrête. Si Dieu n'a pas arrêté, bientôt je donnerai aussi un témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Hein. Dis à ton voisin, tu entendras mon témoignage. Et dans Genèse chapitre 30, le verset 27, c'est Laban, son patron, qui était plutôt contre lui. Il dit, puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Comment? Je vois bien. Je ne peux pas discuter que Dieu m'a béni à cause de toi. Maintenant, toi dans ta vie, combien de gens ont déjà dit que Dieu m'a béni à cause de toi? Non, 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 écoute. Yoka. Toi, quand les gens te disent Dieu m'a béni à cause de toi, c'est quand tu lui as donné moi 10 dollars, 100 dollars, il dit ah, Dieu m'a béni à cause de toi. Non, c'était 10 dollars, 100 dollars. Laban a vu toutes ses affaires prospérer à cause de Jacob. Laban moni ma kambodenyo se fouluki. Il dit la présence ta présence seulement à mes côtés. Bosali sinayo penenangai a tout changé. Et bongoli ma kambodenyos. Maintenant toi combien de gens ont déjà dit ça? Yo batoboni balubela yo bongo. Que depuis que je te connais, ma vie a changé. Par la grâce de Dieu, moi j'ai déjà entendu ça. Les gens me disent, ah, depuis que je t'ai rencontré, ma vie a changé. Amen. Amen. Et il y en a qui sont dans la salle ici qui ont déjà dit ça. Que te rencontrer, c'est une bénédiction dans ma vie. Et à partir de cette année, c'est ça qui sera ton témoignage. Amen. Amen. Hein? Je reçois. Je disais à partir de cette année, au nom de Jésus-Christ, il y aura beaucoup de gens qui vont commencer à te dire, je vois bien que Dieu m'a béni à cause de toi. Et
il dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Vous savez, une personne qui est convaincue que tu es la source de, la, de sa bénédiction va te respecter. Amen. Beaucoup de gens vont commencer à te respecter à partir de cette année. Donnez-moi amen. Amen. Merci papa. Je prie pour vous les jeunes gens la nuit. Hein? Ouais, c'est ouais, aujourd'hui là. Ça a commencé quand j'avais votre âge. Recevez la grâce. Amen. Ouais. Amen. Amen. Il y a des choses qui doivent commencer avec vous pendant que vous êtes comme ça. Hein, mes enfants? Amen. Le Dieu que je sers est vivant. Amen. Amen. Et maintenant, c'est le temps où toi, au lieu que les gens puissent se débarrasser de toi, que les gens disent, non, lui, qu'il ne parte pas, qu'il reste ici. Regarde, il y a des gens qui sont comme la poisse. Oui, ils sont comme la poisse. Dès qu'ils sont avec nous, vous sentez que les choses ne vont pas. On va commencer à te désirer. Yo, on a est-ce que vous recevez ça? Oui, recevez au nom de Jésus-Christ. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, il y a des gens qui vont commencer à s'incliner devant vous. Commençant à la maison, dans les lieux de travail, et partout, il n'y aura aucune personne qui va te mépriser, qu'il soit ami ou ennemi. Donne un amen qui te représente. Yes. Amen. 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 Écoutez, Yoka, tu n'as pas besoin de paniquer. Tu n'as pas besoin nécessairement d'être le boss pour attirer le respect des gens. Mais si tu as la faveur, même le boss, amen. Et à partir de cette année, à partir de maintenant, tu vas commencer à recevoir des appels. Tes supérieurs vont t'appeler avec respect. Amen. Amen. Est-ce que tu reçois ça? Oui. Regarde. I want to make this statement in English because it's coming in English. Nalina loba makambango na lokoto na ngwe potozo ya na lokoto na ngwe. Il y a une bénédiction qui est en train de venir en anglais. Et ça la lipambo limozo ya na lokoto na ba anglais. In this church I need a blessed people. Na inclusion na la posa bato ba pambwa ma. Amen. Around me, I need blessed people. Yes, yes. Regardez. Tala. Je veux être entouré de personnes bénies. Et le temps pour moi d'être entouré des hommes forts et des femmes fortes. Où sont ces personnes? J'aimerais. Amen. 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 Je veux avoir autour de moi des gens bénis indiscutablement. Amen. Amen. Je ne veux pas entendre que l'un des membres ou l'un des gens qui sont autour de moi être méprisé quelque part. Amen. Merci papa. Amen. Quelqu'un va déclarer par la foi. Je deviens puissant à tous égards par la grâce de Dieu. Amen.
nyonso na ngolu na nzamba. Amen. Amen. Hein? Waouh. Quelle bénédiction. Li pamboli nini. Quelqu'un va dire cette année c'est mon année de décollage. Amen. Quelqu'un va dire cette année c'est mon année de décollage. J'oublie tout ce qui s'est déjà passé. J'oublie. J'oublie tout ce que Dieu a déjà fait. À lui soit la gloire pour le passé. À lui soit la gloire pour le passé. Ma saison de la faveur a sonné. Ma saison des signes visibles de la faveur de Dieu a sonné. Ça sera ainsi au nom de Jésus. Amen. Ce qui est arrivé à Jacob, c'est ce que nous voulons que ça nous arrive. C'est pour ça que nous sommes en train d'étudier ces secrets. Et prenez place. Le premier secret que nous avons vu de Jacob, c'est son obéissance aux parents. Son obéissance aux parents. Vous savez, les amis, quand vous regardez la vie de Jacob, vous voyez qu'il obéissait à son père, il obéissait à sa mère. Je le répète encore aujourd'hui. Jouez avec tout, mais ne jouez jamais avec les parents. Amen. Amen. Vous êtes vos parents. Bozali baboti na bino. Ah ouais. Amen. C'est choquant mais c'est ça. Ezali choc mais ezali ne bongo. 50% de toi c'est ton père, 50% de toi c'est ta mère. Eteni ndambo yayo ezali ya tata pe ya mama. Pour te projeter sur la terre, Dieu est passé par tes parents. Bona kobimisa yo na mokili oyo nzambe aleki na nzela baboti na yo. Il ne peut pas les ignorer dans ton plan. Dans la vie, dans son plan pour toi dans la vie. Amen. Et n'espère pas jouir du plan de Dieu en ignorant tes parents. Et quand nous parlons des parents, c'est vrai que nous parlons des parents qui nous ont mis au monde. Mais quand vous regardez dans la Bible, il y a des gens qui ont joué le rôle des parents mieux que ceux qui ont mis au monde certaines personnes. Si Jésus n'avait pas eu un Joseph, il n'allait pas mourir à la croix pour nous. Amen. Hein? Joseph ne l'avait pas mis au monde. Hein? Joseph n'est à Bota qui était. Mais c'est Joseph qui l'a fait fuir de l'Égypte, d'Israël en Égypte. Et ça, Joseph n'est qui mis ça qui est où tu as Israël. La révélation qui a sauvé la vie de Jésus. Et mon Israël est big c'est qui bon moyen Jésus. A été donné à Joseph. Et pesa mela qui na Joseph. Ne néglige pas les parents des substitutions que Dieu te donne. Koye bana koza na petete baboti onzambe atindeli bango libanda na baboti na nzoto na yo. Amen. C'est pour cela. Na yango. Jésus était dans le temple. Yesu zaiki na tempelo. Quand Joseph lui dit, hey, où es-tu toi? Tango yi. On lui dit pas ta mère te cherche. On dit tes parents te cherchent. Il obéit. Continue à mépriser les parents que Dieu t'a donné, tu verras. De toutes les façons, ce n'est pas toi qui m'as mis au monde. Attention, il y a des gens qui peuvent ne pas t'avoir mis au monde, mais qui jouent mieux le rôle de tes parents.
tes propres parents biologiques. Amen. Merci papa. Et si tu ne veux honorer que tes parents biologiques, non, pas Dieu. Dieu n'est pas ton parent biologique. Là, vous êtes calme. Hein? C'est parti. Et certaines fois, ton père ou ta mère que tu dois, à qui tu dois obéissance, ça peut être les grands frères qui t'ont élevé. Ou la grande sœur qui t'a élevé. Ou ton oncle et ta tante qui t'a élevé. Vous changez de visage. Maintenant, il n'y a plus de prophétie de chaleur. Papa. C'est comme ça dans la vie. Il y a des gens qui ressemblent au serpent. Ils n'ont personne pour qui ils disent celui-ci m'a élevé. Il n'y a dans la race humaine. Dans la nature, il n'y a que les serpents qui grandissent seuls, sans l'aide de quelqu'un. Donc, tu ne reconnais personne qui t'a aidé dans la vie, toi. Tu es comment? Serpent. Serpent. Nyoka. Demande pas à ton voisin, j'espère que ce n'est pas de toi qu'on parle là. Tu reconnais personne. Hein? Tu es serpent. L'une des révélations que j'ai eues l'année passée, c'est la raison pour laquelle le serpent ne prend pas soin de ses petits. Vous savez pourquoi le serpent ne prend pas soin de ses petits? Moi, je n'ai compris que l'année passée. Que je vous dise? Non, attendez. Restez assis, je vais vous dire. Si vous êtes debout, vous n'allez peut-être pas bien, merci. Écoutez, Yoka. Il n'y a pas un animal haï comme le serpent. Ezali na nyama moko te obayi na lokola nyoka. Donc, et c'est aussi avec raison. Ezapenatina. C'est lui qui a amené les problèmes dans tout le monde. Yenda mema makambo na mokili mobimba. Il sait que s'il est avec ses petits, ayebi ke soka zali na bana na ye, on va tous les tuer ensemble. Bakoboma bango nyonso. Que chacun aille se débrouiller. Attendez. Et c'est la sagesse qui a fait que les serpents se retrouvent où? Probablement même chez vous à la maison, il y a un serpent. Il est dans l'eau, dans les arbres, il est dans les quartiers, il est dans les magasins. Donc, il a développé une sagesse devant les ennemis pour vivre. Et Dieu a dit, quand je vous envoie en mission, soyez prudents comme les serpents. Chaque fois que l'Église refuse de faire la mission et que nous restons toujours ensemble, nous nous exposons au danger. Normalement, dès que tu enfantes les enfants, il faut les libérer. Ah.
vous restez nombreux, vous ne faites pas la mission. Oh, tout ça, oh, berger, bien, ça va commencer. Moi, on ne me donne pas les tours, je ne prêche pas. Moi, on fait ça. Libère-les. So qui botika li ebele oh baba telipate ekokomo ngana te yakate ngai na saka boyete bino nyo se sengeli bo panzana 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 panzana. Quand l'église a commencé au début, ils ont commencé à mettre tout ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils faisaient tout ensemble. Et la grâce était avec eux. Ils ne bougeaient pas. Bah, la persécution. Ils sont partis. Bakei. Quand vous restez toujours regroupés ensemble, soki bo sangani bo tikali liboke, vous donnez la facilité à vos ennemis de vous bien vous cibler. Bozo pe sanzela na ba de bien vous achever. Ba mona bino bien pe ba bo mabino nyons. Ah. C'est pour ça qu'il faut faire la mission. Yango fosa le tinda. C'est pour ça qu'il faut que j'envoie beaucoup de gens dans la mission. Yango na sengana tinda ba tebele na tinda. Hein? Apparemment, vous n'avez pas aimé ce que je dis. Na moni bo sepelite na makambo na lobi hein. Beaucoup de choses. Sur la, c'est comme ça que Jésus a dit, soyez prudents comme. Donc à un moment donné, dès que vous enfantez quelqu'un, faites quoi? Libérez-le. Envoyez-le. En mission, en mission. Netinda, netinda. Yes. Maintenant, je laisse les serpents. Revenons à nos moutons. Na zon, na tiki nyoka, tozo na sikoyo na maman na likamuna biso. Reprenez place. Bovanda. Les secrets. Moi, j'apprends beaucoup. Hein. Vous sentez que j'apprends beaucoup. Hein. Ça se voit. J'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup. Jusque ce matin, j'étais encore. La nuit, j'étais en train d'apprendre. Jusque le matin, j'apprenais. Na butu, na zali ko yekola, na tongo, na zo yekola kaka. Vous savez, par exemple, cette nuit, qu'est-ce que j'apprenais? Na butu oyo, na bane ko yekola nini. Si quelqu'un croit qu'il sait prier vraiment, soki moto andimi ka yebiko sambela, et qu'il n'a pas besoin d'apprendre, pe aza na posa ya ko yekola te, c'est qu'il ne connaît pas la prière. Je répète. Si quelqu'un croit connaître la prière au point où il n'a plus besoin d'apprendre sur la prière, c'est qu'il ne connaît pas la prière. C'est que ayebi lo sambote. Oh. Merci papa. Quand quelqu'un connaît la prière, tango moto ayebi lo sambo, il saura toujours qu'il y a quelque chose de nouveau à apprendre. Akoyeba ke sakaka neloko moko ya sika esengeli abatsa na boyebi na ye. Amen. Et tu veux que je te partage quelque chose que j'ai appris? Je voulais le partager aux intercesseurs, mais je me suis dit, ils connaissent. La première fois qu'on parle de la prière dans la Bible, on ne dit pas que l'homme priait, on dit que l'homme invoquait le nom de l'Éternel. La première signification de la prière, c'est quoi? Invoquer le nom de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Et ce matin, Dieu me disait, personne ne peut prier s'il ne connaît pas le nom. Ce qui a été combo nangate. Oh. Hey. Et c'est la révélation du nom de Dieu qui détermine quelle prière tu fais. Amen. 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 Je m'arrête là. Amen. J'ai eu beaucoup de choses. Hein?
Amen. Seulement sur la... J'ai un enseignement que je suis en train de préparer sur la signification de la prière. Moi-même, je suis en train d'apprendre la signification de la prière. Je sais que vous enseignez ça déjà en intercession. La signification de la prière. C'est quoi la prière? Invoquer le nom. Et quand on dit invoquer le nom de l'Éternel, l'Éternel c'est je suis. Je suis quoi? Ce n'est pas dans ces livres. Normalement, dans, je vais te donner. C'est parce que je voulais. Ça, c'est le premier livre que je vais. C'est découvrir les merveilles de la prière. C'est là, c'est le volume 1. Ça, ce n'est. Ça, si tu lis ça, si tu ne sais pas prier, c'est ton affaire. Vous voyez comment j'apprends la prière? Ce matin, c'est ce que j'étais en train de prendre. Vous savez, quand tu dis « Oh Dieu, aide-moi !» C'est quel Dieu? C'est quoi dans ta tête? Ah. Yeah. Ce matin, c'est ce que j'apprenais. Et j'étais humble. J'ai commencé. Oula. Et les gens qui prient avec richesse sont ceux qui prient avec la richesse de la révélation du Dieu. Regardez. Le jour où vous avez la révélation de Dieu comme Père. Votre manière de prier change. Parce que vous commencez à lui parler comme qui? Un enfant. Rentrons. Yeah. Maintenant, je pose la question. Toi, tu savais prier? Ça, c'est la première définition de la prière. Je vais vous apprendre qu'une autre définition de la prière, c'est adoucir la face de Dieu. Adoucir le visage de Dieu. C'est pour ça que la prière est comparée au parfum. Yangwana lo sambo bakukisa ngo na malasi. Ça j'apprenais aujourd'hui. Wana makamuna tongo na banai koyekola. Je savais que les intercesseurs connaissent déjà ça. Na yeba kinanga ba sambeleli aya awa ba yebi ngo déjà. Et vous savez qui priait pour adoucir la face de Dieu? Moïse. Est-ce que quand toi tu pries, c'est pour... Qui veut que je lui enseigne la prière? La prière que je vous enseigne à prier. Exactement. Beaucoup de gens n'avaient pas su quand j'avais écrit ici école de la prière. En fait, ça, c'est que un petit enseignement. Mais déjà, le petit là, tu n'as même pas. Yeah. Tu vas apprendre à prier. Qui ne sait pas prier ici? Qui ne sait pas prier? Vous savez prier, non? Tout le monde sait prier. Si. Vous savez prier? Vous savez prier? Ah, ne dis pas ça, mon ami. Qui ne sait pas prier? Non, ne dites pas ça. Vous,
vous risquez de me dévier de ma prédication. Qui ne sait pas prier ici? Mais vous priez, non? Mais vous priez toujours, non? Qui n'a pas prié ce matin? Vous avez prié, non? Alors, pourquoi vous dites que vous ne savez pas prier? Hein? Moi j'apprends. Et ce matin c'était ça que j'apprenais. Oh, oh Seigneur. C'est quoi ça? Oh Jésus. Qui s'est rendu compte qu'il s'est prié? Nani a sosoli sikoyo ayebo sambela. Oh. Pardon, ne me faites pas honte. Vous allez dire, si les gens venaient ici, ils disent, donc dans cette église, il y a des gens qui ne savent pas prier. Hein? Non. Ne te mets pas debout. Si tu te mets debout, c'est que tu sais prier. Wow. Qui connaît prier? Nani ayebi kosambela. Pardon, vous allez me faire honte. Il y a des gens qui nous suivent sur Internet, dans la télé, tout ça. Vous ne savez pas prier. Donc, que je ferme l'église, ici, il n'y a que des gens qui ne savent pas prier ou bien. Vous voyez, même les disciples qui priaient déjà, ils priaient déjà. Mais ils ont dit à Jésus, enseigne-nous. On apprend toujours à prier. Et il y a toujours quelque chose à apprendre sur la prière. Amen. 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 J'ai pensé à certains jeunes. En fait, c'était quelque chose que je voulais partager aux jeunes. Est-ce que je peux partager ça aux jeunes? Ouais, parce que je me disais, bon, les jeunes, eux, ils ont envie d'apprendre et ils se disent qu'ils ne connaissent pas, mais les autres connaissent déjà. Hein? Qui veut que je leur enseigne la prière? Juste la prière. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que le mot prière, oui, le mot prière, le mot qui est même traduit par prière dans la Bible veut dire répétition. Est-ce que toi tu répètes ta prière? Yo, obandela kalo sambo na yo. Bon, maintenant c'est fini, on rentre. Les secrets de la faveur de Dieu sur Jacob. Mon temps est fini. Reprenez place. Mon temps est fini. Tango nanga esili. Vous risquez de dire que je ne vous ai pas prêché. Ne dites pas aux gens des premiers cultes que non, le pasteur ne nous a pas prêché. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là, je vais venir prêcher aux gens des troisième culte. Qui était au premier culte par hasard? Il y a des amis qui m'accompagnent dans les services. Et le premier culte et le deuxième culte, deuxième, non? Deuxième ou bien? C'est très différent. Même moi-même, il y a certaines prophéties que j'ai données au deuxième titre. Je n'avais pas donné ça au premier. Vous voulez que je vous apprenne, je vous dise qui gagne mieux de mes prédications? Ou
ce n'est pas celui qui m'écoute. Azali moto azo kangate. Parce que beaucoup de fois vous m'écoutez. Parce que ebele ba na batango boyo kanga. Mais je vous dis. Mais na bisi bino. Vous pouvez pas tout garder. Boku bomba nyoso te. Celui qui gagne mieux de mes prédications. Moto azo ka malamu na matea nanga. C'est celui qui les réécoute. Azali moto azo bandela koyoka koyoka. Vous savez, la première personne qui gagne de mes prédications. Vous voulez que je vous dise qui? C'est moi-même. Parce que je m'écoute moi-même. Et quand je m'écoute moi-même, je dis amen. Amen. Oh, amen. Amen. Et vous savez ce que j'ai fait? J'écris. Je suis étonné. Par exemple, aujourd'hui, les gens qui ont soif de capter les choses profondes, j'ai dit tellement des histoires qu'il fallait. Il y a eu trop de choses que j'ai dit à écrire. Mais je sais que tu, personne ne va me dire qu'il a tout écrit. Donc normalement, il faut aller prendre l'audio. Vous savez, ça coûte combien pour avoir les messages audio? Zéro. C'est zéro. Tu vas seulement, tu dis, ah oh, mettez-moi ça dans mon téléphone, je vais écouter la prédication. Ok, téléphone, c'est zéro franc. Isaïe Ophélé. Mais au moment où je vous parle maintenant, il y a des gens dans les provinces. Ils mettent la radio. Ils mettent ma prédication. À la fin, ils disent amen. Et toi? Yo. Wow. Et là, vous êtes devenu trop calme. Que je continue ma prédication. J'ai déjà reçu l'onction. Hein. Il y a une semaine, je suis allé prêcher quelque part. J'ai prêché pendant 3 heures. Donc, je peux prêcher pendant 3 heures. Qui veut que je lui prêche pendant 3 heures? Pas aujourd'hui, il y a un autre culte. Alléluia. Amen. Qui est fatigué d'écouter? Qui veut que je lui donne 7 définitions de la prière? Prochainement. Je n'énumère même pas. Je ne donne même pas les sommaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yeah. 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 On va prier. Je voulais vous montrer pourquoi on dit qu'il y a la joie quand on prie. Hein? Je voulais vous montrer comment la prière apporte la joie dans la vie. C'est ce qui fait qu'une personne qui sait prier ne peut pas avoir de dépression. Non, tu peux pas faire des crises d'estomac, des tensions, tout ça quand tu sais prier. Mais bon, j'ai vu que vous êtes fatigué, je ne peux pas le dire. On va prier.
Mais je vais vous être déjà fatigué. Pourquoi je vais vous forcer à écouter? Hein? D'accord, on va prier. J'allais vous montrer comment. Et c'est une grande bénédiction. Parmi les grandes bénédictions d'être intercesseur, c'est que ta vie sera toujours joyeuse. Si tu connais. Mais c'est parce qu'on peut être intercesseur sans connaître l'art de l'intercesseur. C'est pour ça que tu vas voir, généralement, les intercesseurs ont des visages défaits. Parce qu'ils ne connaissent pas l'art de la prière. Aïe. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quand vous êtes un homme de prière véritable, vous êtes un homme de résultats. Et il n'y a personne qui peut avoir les malheurs dans sa vie lorsqu'il voit les résultats de ce qu'il fait. Amen. À partir d'aujourd'hui, j'ai prié que Dieu vous inscrive dans la catégorie de ceux qui voient les résultats de leurs prières. Tu as dit amen. Chaque fois que tu prieras, Dieu s'arrangera à t'aider pour que tu puisses avoir les résultats de tes prières. Donne un bon amen. Amen. Il en sera ainsi pour vous au nom de Jésus. Reprenons place et recevons ceux qui sont venus pour la première fois. S'il vous plaît, vous êtes là pour la première fois, levez-vous, nous voulons vous recevoir. Alléluia. C'est une bénédiction de vous avoir au milieu de nous. Faites-nous signe là où vous êtes. C'est votre première fois de venir. Là où vous êtes, merci Yaya, levez-vous s'il vous plaît. Merci. Merci Seigneur. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Wow. Oh, il y en a quelqu'un, il y a quelqu'un là-bas au-dessus, il y a des gens là-bas au-dessus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Gloire à Dieu, merci, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. S'il vous plaît, à la fin, venez vous asseoir ici. Nous allons parler avec vous quelques minutes. Après quoi, nous allons vous libérer. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour les offrandes. Est-ce que nous avons apporté dans la présence de Dieu? Prends ton offrande, prends ta dîme, prends tout ce que tu as amené. Zoali bonzanayo, zoanyon so mimi. Lèvons-nous avec. Totele mina yango. Que chacun de nous, Internet des Amis, ait un témoignage sur le plan financier. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Et bénédiction et grâce sur vous toutes. Et que la main de Dieu reste sur vous. Amen. Que la main de distinction de Dieu reste posée sur votre tête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Séparés.